faire. On va partir sur le 3-1 de manière immédiate. Let's go. Ok. Ah oui, il y a eux. Oh, il y a ça. Comment ça marche? Oh, incroyable. Il se passe quoi s'il y a un carambolage? C'est qui est prio? Merde! Il y a peut-être un coup à jouer là. Ou peut-être pas. C'est craqué en vrai comme objet. C'est complètement craqué comme objet, c'est trop bien. Non, ils sont généreux pour l'instant. Un peu trop peut-être. Ça cache quelque chose. Oh, attends. Non. D'accord. Ok, ok. C'est vrai que je prends toutes les pièces du... toutes les pièces OZEF alors qu'on est à 99 vies, vous avez pas tort. Vous n'avez pas tort, ça ne sert à rien. Je sais pas si j'en ai raté. Ah, j'en ai raté une au début. J'en ai raté une au début, c'est pas grave. Balek. Ça va être plus chaud maintenant. Ouais. Oh, ici, il y avait un moyen de l'avoir sans le pingouin, je pense, en plus. Je pense qu'il y avait quand même un moyen. Mais attends, j'en avais deux. Ah oui, mais parce que la deuxième... Oh putain, merde. Ok. J'ai fermé les vies dans le monde 2, Karen. Ah putain, mais du coup, fallait... Ouais. Oh. Faut se retaper tout le niveau dans l'autre sens. Pour avoir les objets. Terrible. Il a pas sauté. C'est bizarre, des fois j'ai l'impression que je saute pas. Mais je sais pas si c'est un truc du jeu en mode... En fait, si tu spams le bouton du saut, t'as un délai et tu peux pas le faire illimité. Ou si c'est juste des fois... le bouton marche pas, ou la switch le détecte pas, ou un truc comme ça. Non, du coup, je vais encore me retaper le trajet. Des fois il y a des délais, mais des délais qui sont dans le... qui sont in-game ou qui sont logiciels ou qui sont ou c'est matériel, enfin je sais pas comment expliquer mais. Putain, j'en ai oublié un là, non? Non, peut-être pas. Si si, je peux aller jusque là tout à l'heure. C'est pas grave. Pas la Switch, la Wii U, pardon. Réflexe.
C'est-à-dire la Switch. Non, non, je parle bien de la Wii U. Par contre, il se relève. D'accord, ok. Bon. Il y a de la méta, hein. Je crois que c'est lié aux animes ou aux inputs. Ok. Bon, on va s'en sortir quand même. Ah, il était là. Ah oui, je pensais qu'il allait tomber dans le vide. Ah, on perd pas mal de... On perd pas mal de vie en vrai. Mais bon, il nous en reste 96. Ça passe. On devrait s'en sortir. Faut faire gaffe, hein. C'est vrai qu'on commence à avoir très peu de vie, donc faut faire attention. On commence à être un peu juste. Voilà, on a bien géré ce saut là, c'est parfait. Ensuite on va là. Tac. Et donc c'était quoi? Il y avait un passage secret. Ensuite... Je ne sais plus où. Et bah top. Ah oui, alors attendez. On est bon. Ok. Ok, 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 ok. Ah, j'avais pas vu ton message, cher Loka. Que t'aimais ce monde de neige. Et oui, c'est vrai qu'il a l'air trop cool, hein. Faut aller à droite. Ok. Ouais, là, il va y avoir une méta avec les billes, non? On peut jeter des trucs en l'air ou pas? Je crois pas, hein. Ça va. Non. Ah.
Ah! Quel dommage. Ça nous permet de revisiter un peu et de regarder quelles sont les opportunités, mais peut-être qu'il y avait un combo à faire avec l'étoile. J'en sais rien. Checkpoint est là. Oh, y a rien ici, ok. Je suis un peu bête. On va pas se mentir, je suis un peu bête. Ah, et surtout que là on recommence avec moins de matos quand même. Hein. Je suis encore un peu bête. Ah là là, les vies qui descendent, c'est foutu. Faut recommencer au début. Aïe. C'est terrible. Ah non. Si on prend un checkpoint avec Yoshi, est-ce qu'on revient avec Yoshi sur le checkpoint? Eh bien, comme tu peux le voir, la réponse est non. Tout simplement. On dirait trop que c'est le chemin normal là, non? Ah putain. Ok. Ah c'est marrant. Oups. Ah ouais non c'est chiant. Donc là, il fallait Yoshi pour ça. Bon. Ok, bah s'il n'y a pas de sortie secrète, on a réussi, en fait. Ah, ok. Ou alors, il y avait une sortie secrète. Bon, on va se battre contre lui là. Contre lui. Plus qu'une seule vie. Merde. Oh le bâtard. Ah il m'a eu. Ah mais attends, ils sont... Ok. Ah! Je vais perdre contre lui, sans déconner. Bah ah oui, alors, pour le coup, là, je spammais le bouton de saut, ça n'a rien fait. Alors, je sais pas, peut-être que c'est parce que... Non, mais non, ça peut pas être ça. Ah, trop bizarre. Mais non, je pense qu'il y a un... Tu peux pas spammer trop les sauts quand t'es déjà en train de faire un truc, de te retourner... Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un truc qui fonctionne pas. En fait, c'est limite plus sécure de pas pouvoir faire de trous, j'ai l'impression. Bah, et par contre, le dernier, il va continuer à me faire chier, du coup. Yes! Oh, des champis, trop bien. Je comprends pas, ça. C'est un niveau bonus en fait. Vous savez quoi? On va utiliser un objet. Pourquoi? Parce qu'on a plein de champis et que les champis ça ne sert à rien. Alors je prends un champi, voilà, je me permets. Parce que sinon on va jamais les utiliser en vrai. Mais j'oublie tout le temps qu'ils peuvent tomber. Ben voilà, le champi était très sympa. Hein.
J'ai beaucoup aimé ce moment où on avait le champi. Ok. Ok, ok. Oh. En fait, ouais, non, je pense que dans le tuyau, il doit rien y avoir. C'est trop... Ce serait chelou, en vrai. Je pense que ce serait chelou qu'il y ait quelque chose dans le tuyau. Ah non. On n'avait pas assez de vie, hein. J'ai fait exprès, j'ai choisi celui-là exprès. Bien sûr. Ça va être la deuxième, 100%. Ouais. C'est tout à fait la deuxième. Non, puis si la troisième elle est là... Franchement... Ah non. J'avoue, Mario Pingouin dans Mario Maker 2, Ukyo, ça aurait été pas mal, hein. Ça aurait été sympa. Comment j'ai survécu, en fait? Vous allez me dire que là, fallait pas aller... Ah, c'est pas fini. Ah, alors je sais pas. Dans ce cas-là, je sais pas. Quelle est l'utilité de ce truc? Dans le contexte, ça sert à quoi? Ouais, ça servait à ça. Ok. Ok, j'étais en mode... Bon, de toute façon, fallait refaire ce niveau, donc en vrai, c'est pas grave. Ok. Ok, ok.
Bon, bon, bon. On va refaire, hein. On va refaire. J'ai pas eu la vie. C'est lose. C'est juste perdu. J'ai tiré! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qui s'est passé. Pourquoi il refait le niveau? Parce qu'il a pas toutes les grosses pièces, figure-toi. Il les a pas toutes récupérées, l'eau. Alors il doit tout refaire. Oui, non, on avait déjà regardé là, il me semble. Hein. Bah, 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 oh. Ouais, non, ça, on avait dit que ce serait chelou que ce soit là. On est d'accord. On peut pas. Ah, d'accord, on peut nager sur l'eau comme ça, ok. Merde. Ah, on peut pas geler de la glace. Oh! Elle était là. Ah! En même temps, il me faisait chier le pouvoir, là, pour le coup. Bon, si je résume bien, là, c'est bon. Tac, 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 tac. Énorme. Ensuite, hop, 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 hop. Ah là, pour l'instant, on est un peu parti sur du 100%. Alors, je sais pas si ça va durer dans la longueur, mais en tout cas... Je sais pas si ça va tenir sur la durée, mais là, on... On est parti là-dessus, hein, en tout cas. Oups! Bon. Faut réussir à transporter ce truc. Sans jamais le péter, j'imagine. Bâtard. T'es un bâtard, toi! Bah non, mais moi, il me faut absolument la pièce, en fait. Merde. Non, ça, c'était peut-être pas... De toute façon, il fallait qu'on recommence, on n'avait pas le truc. Ouais, c'est vrai qu'on recommençait là. Putain, je suis nul. Alors... C'est même pas possible ce qui vient de se passer, vous vous rendez compte ou pas? C'est juste pas possible. Le risque, le danger, l'aventure et bien sûr le mythe, le rêve. Merci Magalo pour le Prime. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi. J'essaie de comprendre les méthodes de pourquoi des fois Mario ne saute pas. C'est compliqué. Casse-toi. Je suis mort. Enfin, je suis pas mort, mais... Je suis dans la merde, en tout cas.
Ah bah non, oui, il faut pas glisser sur du plat comme ça, sinon ça fonctionne pas. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai toujours terminé à 100%, au moins 6 ou 7 fois. Ah ouais, c'est beaucoup, Yukio, quand même. Putain, ça la motive. Ouais, un jeu, une fois que je l'ai fait une fois à 100%, si je le refais, après, c'est en Eni pour 100, mais je le fais pas deux fois de suite. Enfin, je le fais pas plusieurs fois. S'il y a des jeux que j'ai déjà fait plusieurs fois en 100%. Bon, à part Mario 64, hein. Il doit y en avoir quelques-uns, mais ça reste des exceptions, j'ai l'impression. Rayman 3, j'ai peut-être fait plusieurs fois à 100%, j'en sais rien. Mario Sunshine, je l'ai fait 0 fois à 100%. Ouais, il est dur à 100% Rayman 3. Non, ouais, quand je dis 100%, c'est pas avoir 100, je sais, ouais, en fait, je sais pas, non, c'est pas 100% à ce point-là, en fait, moi, je pense à toutes les cages, plus, je sais plus comment il est foutu, toutes les cages, plus débloquer tous les niveaux bonus, je crois que c'est tout. Je joue sur Wii U, Slitty. Alors, des tas de one up. Oh, c'est la même chose que la dernière fois, mais c'est... Ok. Impossible de tous les avoir. Ah si, peut-être. J'en sais rien. Non, ça me saoule. On a eu deux. Pourquoi je suis allé chercher des vies alors que j'en ai 99 en fait? Je suis un peu con, non? Ouais, Brandcraft, j'avais besoin de vie, ouais. Non, en vrai, faut mieux les garder pour plus tard, parce que s'il y a des niveaux hyper durs à la fin, faut mieux garder des maisons avec des vies ouvertes. Ah tiens, tu peux choisir, c'est marrant ça. Ouais, non mais là, il y a clairement une sortie secrète dans ce niveau. Il y a clairement 100%, il y a une sortie secrète dans la maison de boue. C'est déjà chiant. Oh, c'est déjà chiant. Oh, ce truc-là, il m'attaque. Ah, mais d'accord. Je ne savais pas. Je l'ignorais, tout simplement. Oh. Oui, c'est vrai que j'ai un niveau pour farmer des vies. Je suis con. Effectivement. Mais attends, je suis pas allé dans toutes les directions?
Bah c'est cool, j'ai une grosse pièce. Par contre, on sait pas où faut aller du tout, en fait. Mais c'est top, hein. Ah putain, fallait pas sauter en même temps. Ah oui, non, aucun spoil, hein, évidemment. Là, s'il vous plaît, aucun spoil, parce que sinon, les maisons de boue n'ont vraiment aucun intérêt, pour le coup. Si vous spoilez des trucs dans, là-dedans. Évidemment, ça n'aurait pas de sens. Ah, ok. Ok, ok. Ah, il vient d'où cet argent? C'est déclaré ça? Oh non! Mais putain! C'est dégueulasse ça par contre, monsieur. Ok, la deuxième grosse pièce c'est fait. Pour l'instant ça va. Ils nous ont mis une maison de boue tranquille pour commencer en vrai. Je trouve. Par contre, j'avoue que là, si on pouvait avoir un petit checkpoint... Oh putain. Un petit checkpoint, je serais vraiment pas contre, en vrai. Je serais notamment en train de kiffer. Je vais pas vous mentir là-dessus. Ok, c'est cool, ça. Ah, ça, c'est moins cool. Stop, bouge plus. Oh, les bâtards, ils mettent les champis dans le mauvais sens et tout. Mais du coup, c'est trop chiant, là. Ah ouais, vas-y, on le fait descendre. Tac. Ouais. Hop. Vas-y, descendez, descendez. Putain, je me suis pas accroché. Comment tu passes là, toi, déjà? C'est normal que vous passiez à travers ça là? Non, c'est pas normal ça. Par contre, ça ne sert à rien comme endroit. Ouais, d'accord. Ok. Oh, oh l'enfer, c'est sur ce jeu là qu'il y a ça! Ok. Il va falloir coller des murs de manière random pour espérer. Ah bien. Ah j'aime bien. Ah j'aime bien. Ah venez, venez, rentrez tous. Venez, je vous en prie. Putain, pour avoir la sortie secrète, va falloir refaire cette descente là en longeant les murs et tout le bordel, mais bon. Ok, donc il nous manque une grosse pièce. Et la sortie secrète probablement si elle existe, je pense que oui. En vrai. Pour moi ce que tu fais c'est tout sauf du rétro gaming parce que j'y ai joué encore la semaine dernière. Oui bah... Bon, en attendant, le jeu a 12 ans, hein. Donc après, voilà. Comme vous voulez, hein, mais... D'accord, il peut pas sauter juste vers le tout droit en haut, il va forcément faire... Ok. Ok.
La Wii U, c'est HDMI. Enfin, je sais, il y a peut-être Péritel aussi, mais moi, c'est HDMI, en tout cas. Attends, mais du coup, là, on est obligé de monter. En fait, il y a un truc bizarre, c'est que là, on est obligé de monter, on dirait. Pourtant... Pourtant... En bas, il y a... Il y avait un truc à un endroit, je suis quasi sûr. Je suis quasi sûr qu'on a vu du sol à un moment. Non ? Ah non, peut-être pas. Peut-être que je... Mais si, là, il y a un truc de sol. C'est pas normal qu'il y ait un truc de sol à cet endroit-là. Ah mais là t'es devant mon bloc là. C'est là. Non, c'est pas là, putain merde. Putain, on a toujours pas la dernière pièce. C'est bien, on a la sortie secrète. Par contre, la dernière pièce, non. Pas de spoil dans le chat s'il vous plaît, je le répète encore au cas où. Désolé hein, les gens qui trouvent que ça floude un peu dans le chat quand des gens font la commande spoil, mais merci aux gens qui font la commande spoil et qui rappellent que voilà, parce que... Quelqu'un qui vient de gagner un bannissement définitif sur la chaîne. Un vrai plaisir. Oui, très parfait, Erin. Allez. C'est vraiment de la chance que Erin soit sympa, hein, quand même. Pourquoi Mario a pas de casquette? C'est vrai, ça? Pourquoi il a pas de casquette? J'ai fait une connerie? Ah, quand on a 99 vies, on n'a pas de casquette? Ça, c'est marrant. D'accord. Je dois aller où, là? Oui, là. J'avais même pas fait gaffe que j'avais plus de casquette. Donc ça doit être dans la sortie secrète peut-être. Sauf si la personne qui a backseat
En plus de backseat à backseat, un truc complètement faux. Mais bon, là, au bout d'un moment, c'est marqué dans le titre, c'est marqué dans le chat. Au bout d'un moment, faut arrêter de... Voilà. Bon, c'est reparti. Backseat, un truc complètement faux, c'est un double ban, ouais, c'est ça. Ouais, non, il faut attendre qu'ils descendent. Non, je sais plus où elle est exactement, par contre. C'était complètement faux. La personne qui a backseat un truc complètement faux. C'est quand même terrible. Hein. Je vais spam à droite, hein, vraiment. Ah non, elle est là. Le Big Boo, il est à ce moment-là? Comment ça se fait qu'il est pas là, ce con-là? Ah, il est là. Si on se fait d'abord toucher et qu'ensuite on prend ça, voilà. Non, mais pas de GG pour ça, hein. C'est juste un gars qui a, qui a backseat dans le chat, donc... Y a aucun... Enfin là, y a aucun intérêt. Ce qui est chiant, c'est que c'était vraiment, je pense, un des trucs qui nous aurait pris le plus de temps. Et j'ai besoin de faire des heures Twitch. Du coup, là, on vient de perdre... on vient de perdre une manne d'argent assez importante, hein, sur ce coup-là. Voilà, la personne... on va peut-être demander des dédommagements, quoi. Parce que bon, quand même, c'est... Voilà. Là, Jeff, il m'a dit, je suis désolé, je vais pas pouvoir te payer à la fin du mois, t'as trouvé la pièce directe. Je suis là, merde. Ouais, sinon, faut rajouter, en fait, le truc, c'est Slitty, c'est que même en rajoutant un truc, pas de spoil sur le layout, je me dis, il y a des gens, ils font exprès, parce que, enfin, comment expliquer? Tu vois, c'est que par exemple, c'est le cas sur les GeoGuessers, c'est marqué. Et y a beau avoir marqué pas de spoil sur l'écran, les gens ils te spoilent quand même. Donc en fait je me dis bah non, j'ai pas envie de pourrir mon layout avec un truc marqué pas de spoil. Alors que de toute façon il va quand même y avoir des gens qui le feront. Là je l'ai écrit dans le titre, les gens le balancent dans le chat toutes les deux minutes. Franchement, peut-être un poil moins mais vraiment pas beaucoup moins. C'était d'ailleurs écrit vraiment juste avant que la personne poste son message de backseat. Au bout d'un moment t'es là, bon... Au bout d'un moment la flemme, tu vois. Normal, enfin je sais pas. Moi franchement j'ai la flemme. Ouais c'est vrai qu'après Jeff il est dans le besoin mais bon quand même. Ouais, puis c'est pas comme si no spoil c'était rare sur Twitch, effectivement. Et en effet. Bonne soirée The Lava Blue, merci beaucoup d'être venu ce soir et puis merci pour les subs, c'est très gentil. Ah, c'est rigolo ça.
J'aime bien. Ah, j'aime moins. Oh, en vrai, ça va, c'est ok. Par contre, comment on se casse? Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Ils vont bouger, là? Ah, peut-être pas. Je check hein, tous les recoins. RAS. Je vais streamer encore un petit moment Alpha, mais peut-être pas sur ce jeu-là. Je pense que quand on aura terminé ce monde-là, on s'arrêtera. Pour pas tous... Enfin, pour pouvoir y aller tranquillou. Puis aussi parce que ouais, c'est vraiment un peu dommage de dépasser un certain nombre d'heures dessus, je trouve. Mais je vais probablement streamer encore un peu après. Enfin, ça va dépendre en fait, on va voir. Déjà, faut terminer ce monde en entier à 100%, donc déjà... Ça... Merde, fallait peut-être aller... Hein. Je sais pas où fallait aller là. J'ai vraiment l'impression qu'on a raté une pièce en vrai. Merde. Ah. Ah ouais, ouais. J'aime bien ouais, le système. Attends quoi? Ah oui. Ah non. Pardon. Ah, c'était juste avant. Bon. Faudrait refaire idéalement. Idéalement, faudrait refaire. Oui, bah là, il est au pire endroit. Hein. Franchement, désolé, mais... Ok. On va y aller comme ça. Salut GG Brick. Ça va bien et toi? Ça banne sec hein, ce soir, hein, mine de rien. Hein. Et franchement, on est très gentils, la modération et moi. Après, j'avoue que le sujet du spoil et du backseat, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué depuis au moins 3 bonnes minutes. On n'a pas fait un discours... En vrai, on est vraiment gentil, hein, parce que on devrait être en mode « ma sanction est irrévocable hein. », on devrait être en mode Denis Brognard, là. Là, ça devrait être en mode « vous êtes banni de toutes les chaînes Twitch françaises ». C'est franchement... Au bout d'un moment, Deux secondes, hein, j'arrive. Hop là. Du coup, on gère avec les modos.
On va dire que c'était vraiment pas de chance. Mais au bout d'un moment, voilà, bon. du coup, bah oui, j'allais dire du coup, merde, qu'est-ce que je vais devoir faire? Mais en fait, je sais exactement, vu que je viens de me faire backseat. Il va falloir attendre que les pics cassent les trucs. Vous avez vu, je suis trop intelligent, hein. Vous avez vu mon énorme QI ou pas? J'ai pensé à ça tout seul, figurez-vous. Merde. J'espère que c'était pas à cet endroit-là, mais je crois pas. Ok, donc j'ai une strat de ouf. Je vais laisser les boules casser les trucs. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, je réfléchis, elles ont vraiment des pics et tout. Donc à mon avis, elles doivent pouvoir casser les gros blocs. Je pense, hein. Et je pense qu'en fait, il faut pas prendre le bloc pot, que c'est un bait. Merde, ça a pris le bloc... Mais pourquoi ça a pris le bloc pot? Faut prendre le bloc pot et pas le jeter, ça veut dire? Je sais même pas. On peut pas mourir là? Oh, je peux pas mourir. Oh, c'est trop chiant. Oh, c'est trop chiant si je peux pas mourir. Oh non, le jeu qui veut pas me laisser mourir. Bon, attendez. Ouais, mettre un retard de 30 secondes sur le chat, mais ça changera pas grand chose. Non, y a aucun moyen de mourir. À moins de me faire battre par le boss, mais... Je sais pas. Si je quitte le niveau, je pense que ça recommence au début, pas au checkpoint. Ouais, c'est ça, Exaïd, le problème, tout à fait. Pourquoi Mario n'a pas de casquette? Apparemment, c'est parce que j'ai 99 vies. Apparemment. On peut se mettre en bulle pour mourir dans celui-là? Non, je crois pas, Clizan, il me semble pas. Je crois pas. Bon, en tout cas, pas tout seul, je pense. Je saurais même pas sur quel bouton appuyer pour ça. Bon. Alors. C'est reparti. Pam pam. Ça aurait aucun sens qu'on puisse se mettre en bulle tout seul. Pourquoi il y a un... une option, ce serait juste de se buter, c'est trop... Ça n'a aucun sens. Ah, j'ai raté. Merde alors. Tac.
Donc ça veut dire qu'il faut genre prendre le bloc peau et ne pas l'utiliser. Je pense. Celui-là je peux le prendre, on s'en fout. Et celui d'après. C'est pas de bol parce que c'est sûrement les deux mécaniques que je pense être les plus difficiles, que j'aurais eu le plus de mal à trouver, qui m'ont été backcités. C'est con en vrai. Ah merde. C'est radical ça, hein. C'est radical. C'est quand les ceci est un speedrun? Alors c'est tous les mercredis soirs, sauf mercredi prochain. Parce que mercredi... Enfin mercredi... Sauf mercredi qui arrive quoi, sauf le 18. Parce que le 18 je... Le 18 je me prends quelques jours de vacances. Enfin... vraiment 4 jours je pense. En dehors de Twitch. Ça va être chiant ça, sans le pouvoir de la glace ça va être relou. Non, heureusement qu'il y a ça. Là, pour le coup, heureusement qu'il y a lui. Je vais essayer de tenir encore un peu parce que... Quoi? Ah oui, bah je rebondis pas dessus, bah oui. Donc faut protéger ce bloc pot. J'ai encore raté. Attendez, on va se suicider là. Voilà. Putain, c'est hyper dur. Faut protéger ce bloc pot. Du coup, c'est toi qui tiens la chaîne Super JD. Super JD 64, c'est moi, ouais. Tout ça pour les heures Twitch, bien sûr, hein, évidemment. Ah mais si, j'ai juste pas eu de chance tout à l'heure. On peut complètement rebondir sur les Scalerex. Merde. Oh. Ah, fallait tout que ça casse. Oh non! Bon, on va essayer de mourir. Improbable! Improbable! Quelqu'un peut rappeler le point d'exclamation pour revoir tout pour les VOD? Point d'exclamation. VOD. Accurate. Bien sûr. Thank you.
C'est hyper dur. En vrai, c'est dur. C'est hyper dur. Moi, j'ai pas eu de bol tout à l'heure quand c'est rentré dans le pot. Va falloir refaire, je suis navré. Je vais essayer de me dépêcher, promis. Vas-y, tue-moi. Voilà. Pas de peau. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prévention spoil. En même temps, il n'y a plus rien à... Là, il n'y a plus rien à spoiler, donc pas besoin pour l'instant. Pas besoin parce qu'après... Le problème, c'est qu'après, il va y avoir quelqu'un qui va spoil. Mais comme on aura mis le message trop tôt, la personne va faire « Ah, mais je suis désolé, mais en fait, je suis là depuis une nanoseconde. Du coup, j'ai pas pu voir le message qui disait « Pas de spoil ». Donc là, attendez qu'il y ait un nouveau niveau. Et là, à ce moment-là, on remet le message pas de spoil. Bon, là, je suis en petit, c'est la merde quand même. Hein. Actuellement, c'est la grosse merde. Oui. Bon. On a bien descendu en vie, hein. On a 97. Je fais attention à mes vies, vous inquiétez pas. Mais ils spoilent quoi sur Mario, les gens? Ben, on a eu les spoils de l'emplacement l'emplacement d'une grosse pièce. Pour une autre, c'était la façon de la récupérer. Ce genre de choses. Pourquoi ça ne... Ouais, bon là, c'est clairement ma télécommande Wii qui ne... Enfin, la Wii U qui ne détectait pas le mouvement que je faisais. Insupportable. Du coup, il va falloir essayer de survivre. Merde. Ah merde. Si tu te laisses sans y toucher, ça marche pas. Bah tout à l'heure ça marchait pas, non. On a essayé et ça a quand même éclaté le bloc pot trop tôt. Alors je sais pas si j'ai juste pas eu de bol, mais... Quand même.
Quel enfer. Ah, j'espère que je vais pas foirer le boss, hein. En vrai, c'est un objet un peu nul pour ce boss, je suis en train de me faire la réflexion. C'est même pas génial. Ah si, parce qu'il est anti-dérapant, en fait. C'est ça, l'avantage. Bon, ça va. Bon, ça va. J'ai réussi de moi-même et ça c'est beau, tout à fait. Ok. Il reste 3 niveaux. Penses-tu faire Pikmin? Non, je pense pas, Toto. Voilà. Très bon début. Mais par contre, j'ai envie de voir, là. Ok. Ok. Ok, ok. Ah, par contre, ouais, chiant pour remonter là. Et pourquoi il y a des blocs comme ça? Ça veut dire quoi ça? Ah, c'est genre. Comme des switches? Ouais, ça doit être ça, hein, ça doit être comme des switches. Faut qu'il y ait un switch quelque part pour les activer peut-être. Me dites pas dans le chat, hein. Je suis curieux de savoir ce que c'est, mais me dites pas s'il vous plaît. Ah, ou alors c'est avec ça? Attends. Non, c'est pas ça. Bizarre quand même. Bon. Oh. Merde. Beaucoup d'éléments. Putain, j'ai oublié où elle était la première pièce. Ah oui, tout simplement. Oui, donc la suite. Il y a une histoire avec ces ponts là, clairement. Clairement, il y a un truc. On va voir, c'est que quand on a la tenue du pingouin, peut-être. Faut aller en dessous ou au-dessus là? Ça va pas l'air de changer grand chose.
Ah, c'est des pièces. Ah, c'est des pièces, mais sur lesquelles tu peux voler quand t'es en pingouin. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être des pièces, mais sur lesquelles tu peux avancer en pingouin. Ah, du coup, là, ça y est, je suis foutu, je l'aurai pas de nouveau. Du coup, là, comme j'ai pas le pingouin, s'il y a des trucs où c'est obligatoire, je suis mort, quoi. Enfin, je suis mort. Il y aura pas de trucs softlock, évidemment, mais par contre... Voilà. Exactement. Et là, il propose même pas le pingouin, évidemment. Oh, l'étoile, j'en ai tellement rien à foutre. Ouais, bah, ouais. Et bah, top. Ah, c'est tout. Désolé. Il y a un bug graphique là, non? Ah non, putain! Oh là là! J'avais pas compris que j'étais face à ça. Un peu loin là. Il allait un peu loin. Il n'y a pas un moyen de récup un champi direct en vrai. Bon. Ça c'est craqué, mais ça peut être traître en vrai. Je pense que ça peut être traître. Bon, bah de toute façon, c'est vite vu. Quoi ? Quoi, quoi? Bah, c'est une sortie secrète, trop bizarre. De toute façon, le pingouin, il sert pas du... Ouais, mais non. En fait, je suis juste con. En fait... En fait, j'ai confondu. En fait, je pense... Je pense qu'on ne peut pas avoir le tuyau pour l'instant. Et qu'en fait, c'est pas une histoire d'avoir le pingouin ou pas. Parce que les deux trucs, sur... les trucs qui génèrent les pièces et les trucs un peu plus gros, ils se ressemblent. Donc pour moi, c'est deux trucs différents, en fait. Je pense. Putain, il est beau ce niveau. La vache, il est trop cool. Trop stylé. Putain. Là par contre...
Ouais. Ah merde. Ouais, c'est pas un niveau où on peut choisir le... Ouais. Ah, je suis pas un grand Mario depuis tout à l'heure. Ah merde. Ah merde. Eh ben, il faut croire que ces boîtes existaient avant Mario 3D Land. Parce que si je dis pas de bêtises, ce jeu est plus vieux, hein. Non, oui, il me semble que oui. Oh non! Oh, le champi qui nous fait faux bond, là, comme ça. Oh, aïe, 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 aïe. Mais j'en ai marre d'être con. Quoi? Attends, quoi? Quoi? Mais si t'as pas au moins... Si t'es pas au moins grand... Mais si, pourquoi il m'a pas fait ça tout à l'heure? Tout à l'heure quand j'ai secoué, au lieu de faire ça, il a jeté le truc à côté de lui. Ça n'a aucun sens. Il ne termine pas le niveau d'avant. Non, parce qu'il pense que en fait, pour terminer le niveau d'avant, faut d'abord avoir terminé celui-là. Et peut-être que je me trompe, hein. Tu trouves le niveau tellement beau que tu fais exprès de tomber. Exactement, Erin. J'ai encore jeté le truc. J'ai encore jeté le truc. Quel abruti. Mais quel abruti. Et voilà. Et voilà, mérité de ouf. En vrai, je comprends... Enfin, quel abruti, mais en même temps, je comprends pas comment je suis censé ne pas le jeter, hein, ceci dit. J'ai juste secoué la manette et il l'a jeté. Je joue à la Wiimote seul. Ouais, woufou. C'est cassé, alors on le jette. Tout à fait. Ah, il y a deux trucs, là. J'aurais pas cru. C'est quoi, ça? Ah oui, si, d'accord, ok. Ok, c'est reparti. Non, non, c'est pas la version DS, c'est la version Wii, Kinder. Ok. Mais... Je comprends pas l'utilisation de cet objet, ça me rend ouf. Pourquoi des fois il le jette sur le côté et des fois il fait la toupie? Ouais.
Franchement, là, je l'ai pas. Incompréhensible pour moi, ça. J'ai pas lâché le bouton 1. Mais c'est n'importe quoi, je n'ai pas lâché le bouton 1. Sans déconner. Je n'ai jamais fait ça. Non mais là ça va être chaud là. J'avais pas compris que je pensais pas que je pouvais l'avoir. Et non, je veux ça! Quoi? Ah ouais, là je veux bien ça pour le coup. Impossible, trop risqué. Quoi? Mais vous avez vu, sans déconner. Sans déconner, vous avez vu, il a tourné et il l'a jeté. C'est pas possible. C'est incroyable. Ouais, mais la Wiimote, elle est un peu nulle. Le bouton, il perd le contact quand tu secoues, je pense. Bah ouais, probablement, effectivement, vu ce qui vient de se passer, on dirait que c'est effectivement exactement ce que tu décris. Mais c'est très chiant, c'est très très chiant. Je sais pas si c'est une officielle que j'ai, ça a pas l'air d'être une très officielle. Hein. En vrai si, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Bon là c'est ma faute. Ah, on a eu le son du tourbillon pendant que je me jetais, c'est quand même étrange. On va d'abord faire ça. Les Wiimotes vieillissent tristement assez mal, même les officiels. Les nôtres sont très fatigués. Le pire, c'est les Nunchuk qui perdent leur état fixe et ballottent quand ils sont en zone morte. Oui, bah ça, c'est comme les Joy-Con, quoi, finalement. Mais oui, ouais, je vois. C'est juste que les boutons sont nuls et très proches aussi. Ouais, ça joue peut-être, effectivement. Ah, on est en train de... On a bientôt plus de vie à cause de ça, hein. Plus que 91. Aïe, plus que 91 vies. Bon, vraiment là, j'ai le bouton enfoncé un maximum. C'est pas possible que ça lâche. C'est impossible. J'ai le pouce qui écrase le bouton 1. Mario ne peut juste pas lâcher. C'est juste impossible que ça arrive. En vrai, je trouve que c'est quand même une mécanique un peu mal foutue, ce truc, parce que c'est vraiment genre... il voulait pas qu'on puisse avoir le turbo au fion tout le temps, là. Et du coup, ils ont mis ça. Mais ouais, c'est vraiment une rustine un peu nulle, je trouve, en vrai. Putain, alors, toi. Voilà.
Ah bah non, là on en a un de... Mais quoi ? Du coup, ça sert à rien que j'ai celui-là. Alors du coup, là, je jette lui. Ça me sert à rien. Ah oui, c'est vrai qu'on était là. Ah, ils ont fait ça pour éviter les softlocks. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est pour pas qu'il y ait de softlocks. Imposer la Wiimote seule dans des jeux de plateforme comme celui-ci ou Donkey Kong Country Return, c'était une erreur. Mais je crois que tu peux jouer avec le Nunchuk en plus, mais bon. J'ai débloqué quoi là? Ah oui, ici, ok. J'ai débloqué, bon on ira après, j'ai oublié d'y aller. Attends, on a un problème là. On a un petit problème. Il nous manque des pièces. Il nous manque une grosse... Ouais, il nous manque une grosse pièce. Et elle a pas l'air d'être là. Ah, attends. Ah. Ah bah merde, j'aurais pas dû la casser elle. Fallait peut-être le turbo machin, mais ça m'étonnerait un peu. Je sais pas s'ils auraient vraiment fait ça. Ouais, cela dit, là, y a pas de... Si c'est la fin du niveau... Ouais, c'est la fin du niveau. Et ben, il me manque toujours une grosse pièce, du coup. On va se rappeler où était la première du coup. Merde. Putain, elle était où la première? Ah, elle était là, tout simplement. Ok. Hmm.
Ouais. Non, ok. Bon. Alors. Ils auraient pas fait un truc pareil quand même. Non, je pense pas. Non. Donc là on a le pingouin. Bien. Mais qu'est-ce qui change? Fondamentalement pas grand chose en vrai. Ouais, c'est là qu'il nous faudrait l'hélico, comme ça on pourrait voir direct. Faudrait que j'aille. Étoile, machin. Bah il est où? Ah, j'ai cru qu'on me l'avait... Mais attends, 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 donne. Ok. Ça a pas l'air d'être en l'air. Hein. On va checker un peu en bas quand même. Oh, il est pas là-dedans. Ouais, oh, il l'aurait pas mis là non plus. Ok, bon. Pour l'instant, je l'ai pas, hein, la deuxième, clairement. Clairement, la deuxième, je ne l'ai pas du tout. Là, si je teste tout, j'en ai pour une ville. Pas l'impression que ce soit ça, hein, franchement. Attends, tout à l'heure ça faisait pas ça. Vous l'entendez? L'éthique est maintenant primordiale. Merci beaucoup, Tin, pour ton cinquième mois. Il est où? Merci Ponk. On a l'impression qu'il va rester. Merci pour ton prime. Ouais, je crois pas non plus que je suis censé aller là-haut, effectivement. Ah mais je suis con.
Enfin non, je suis pas forcément con, mais peut-être un peu, mais je sais pas. Mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que tout simplement... Tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas... Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un des machins où faut quand même prendre la sortie normale? Enfin non, du coup, la sortie secrète, mais qui n'est accessible qu'une fois qu'on a activé le switch. Ce serait ça un peu le coup de... Mais ouais. En vrai, ça me paraît assez crédible. Comme... J'aime bien cette théorie, en vrai. J'aime beaucoup cette théorie. Ouais, y'a peut-être plus rien qui comporte des blocs en vrai après. Ah. Bah non, non. Là y'a la 3 qui est là, donc c'est sûr que... Ah. Et est-ce qu'il y a un pattern de ces machins glissants où il y en a un dans lequel il y a la pièce? Non, ce serait bizarre, non non. Donc ça c'était la 3. Tout ça, on avait checké hein, un peu, je crois. Hein. Tout ça, on était plutôt parti du principe qu'a priori, il n'y avait rien. Faudrait retrouver où était la une. Pour délimiter la zone. Ah oui, la une, c'était le frère marteau. Oh, attendez. Non, mais non. Tout simplement. J'aurais peut-être dû prendre l'autre sortie, elle est probablement plus rapide. Ça se vaut en vrai peut-être. J'en étais tellement sûr, ouais, moi pas du tout, parce que je pensais que j'avais déjà check, en fait, ce genre d'endroit un peu osef, je me dis, bon, j'ai dû regarder. Du coup, ça me... Voilà, et après, quand je l'ai revu, je me suis dit, ça a quand même la gueule d'un truc qui pourrait cacher une pièce, donc c'est peut-être juste que j'avais pas regardé, en fait. Et on est de retour sur les 99 vies, ça fait plaisir, évidemment. Ok, donc probablement le dernier niveau de la journée. Après, on jouera peut-être à Mario Foot avec Exaïd. Et si ce n'est pas le cas, on fera peut-être un petit peu de Steep. On verra. On verra. Qui met une demi-heure. Ouais, ouais. Quoi, c'est tout? Oh, les bons serpents à l'ancienne. Tu peux les trigger dans le vide où ils tombent à un moment fixe? Non, il tombe à un moment fixe.
C'est le Snake qui les trigger en fait. Bah ouais, sinon c'est trop compliqué, je pense. Ah. Ouais, si. D'où il est là, lui? Ah, attends d'ailleurs. Non. Merde. Merde, merde, merde. Ouais. Ouais, c'est en distribué à l'infini de toute façon. Donc ça va. Oh, par contre. Oh, trop sympa. Trop sympa le jeu. Le jeu qui régale. Ah oui, par contre. Ah non, mais en fait, c'est. Comment tu peux la rater alors que la mécanique est obligatoire pour continuer ? On continue avec une même volonté, l'excellence, la référence. Merci Alice pour ton Prime. Bienvenue dans ton 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. Ouais, bon, c'est bon. Ah, c'est stylé. Est-ce qu'on a intérêt à ce que ça explose ou est-ce que ça explose pas ? Ah bon, bah. Putain, heureusement que j'ai eu la vie, hein. Vous imaginez si j'avais pas eu la vie, là? Ça aurait été foutu, hein. Attends, ouais, non, ça sert à rien. Ah ouais, ils ont mis tout un système. Ils ont mis tout un système quoi, pour avoir l'objet. Ah ouais, mais là, il va être shiny. Alors. Ah ouais, je vais pas pouvoir lui faire mes petites feintes habituelles, là. Ah ouais, c'est cool. Ah, c'est marrant. Ah, je l'ai pas eu. Mais bon. C'est pas grave. Ça n'a pas été trop long pour autant. Oui, oui, on a vu Ben. Y a pas de casquette. Et ben voilà. Est-ce qu'on a tous les trucs? Je pense que oui. On a toutes les pièces, c'est bon. Come back. Oui. Ok. Bon. Oh. En vrai, ça donne un peu envie. Et en même temps, pas tant.
Il y a quand même la notion de niveau aquatique, mais en même temps, l'ambiance île, tout ça, j'aime bien. En fait, j'aime bien les niveaux faussement aquatiques, les niveaux au-dessus de l'eau. Ça, j'aime bien. Les niveaux dans l'eau, non.